Bonjour à tous. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. J'étais souvent venu travailler dans ces murs, mais jamais à cette place-là. Donc voilà, je vais essayer de répondre aux problématiques que vous avez soulevées dans les documents qui m'ont été communiqués en amont de cette réunion. Je me permettrai néanmoins de recommencer par quelque chose de... rappeler des fondamentaux sur la manière dont est organisé le système, si vous le permettez. Je serai plus ou moins long en fonction des interventions que cela pourra susciter. Il y a diffus depuis maintenant un peu plus de 2 ans un débat sur le prix du médicament, dont on peut considérer qu'il a eu une exposition médiatique à compter du débat sur la fixation du prix des nouveaux produits destinés au traitement de l'hépatite C. Ça fait peut-être même presque 3 ans maintenant d'ailleurs, mais voilà. On a un débat qui a plusieurs caractéristiques. On a un débat d'abord qui se passe sur un sujet qui est techniquement complexe en termes de gouvernance de la politique du médicament et en termes de modalités concrètes. On a un sujet qui fait l'objet de critiques sur son opacité. Donc, on aura peu de documents publics, là encore complexité, existence d'un secret des affaires qui est prévu par le code pénal. On a un sujet qui est compliqué en termes, enfin sur les termes qui sont utilisés, puisqu'en fait on a l'impression que la question de la dépense de médicaments se résume au prix, et que le prix est le seul déterminant de la dépense. Or, on pourrait envisager qu'il y a d'autres déterminants de la dépense, ce qui ne veut pas minorer l'importance du prix dans ce débat-là, mais il y a peut-être d'autres aspects du sujet qui peuvent être abordés. Et enfin, et ça, je m'en félicite, le sujet est enfin public. Et donc, il y a, et c'est ça, un débat sur le prix des médicaments. Voilà. Donc, moi, comme dit le canard enchaîné ce matin, je préside le machin rattaché au ministère de la Santé qui fixe les prix. Je voudrais commencer par préciser de quels médicaments on parle. Non. Nous fixons les prix des médicaments qui sont remboursables en ville. Nous ne fixons les prix à l'hôpital, nous ne fixons que les prix des médicaments qui sont sur la liste en sus. Les médicaments qui sont en ATU, les médicaments qui sont en intra-GHS, donc facturés en même temps que le séjour, n'ont pas de prix administré. Enfin, bien évidemment, nous ne fixons pas le prix des médicaments non remboursables, à ne pas confondre avec les médicaments à prescription médicale facultative, dont le prix est libre. Voilà. Donc nous intervenons sur un champ qui est limité, les médicaments remboursables en ville et la liste en sus. Vous me direz, on est à presque 30 milliards par an. C'est déjà une dépense publique importante. Dans ce sujet techniquement complexe, et pour déborder en même temps sur la question de l'opacité du dispositif, il est important de reprendre l'ensemble de la chaîne. Il y a 3 acteurs minimum qui interviennent sur l'arrivée d'un médicament sur le marché. Le premier, c'est l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, comme vous le savez, l'ANSM ne prend que des décisions nécessaires à la sécurité sanitaire. Donc c'est une agence qui ne se prononce que sur le bénéfice-risque du produit, donc est-il sûr ou non, et donc peut-on le dispenser. À ceci près que dans cette mission de sécurité sanitaire, l'ANSM délivre les autorisations temporaires d'utilisation, c'est-à-dire en fait les autorisations qui permettent à un médicament innovant d'arriver sur le marché avant qu'il ait une autorisation de mise sur le marché. Les produits, les nouveaux traitements pour l'hépatite C, les nouveaux produits d'oncologie, enfin une partie des nouveaux produits d'oncologie, disposent d'une ATU. Donc en fait, ils sont disponibles dans les établissements de santé avant d'avoir une AMM et avant d'avoir un prix. J'insiste parce qu'en fait, je fais le techno, mais c'est important. J'entends de ça, de là, oui, en ATU, le prix était 2. Non, en ATU, il n'y a pas de prix. En ATU, il y a une indemnité qui est fixée par le laboratoire. Voilà. Et au CEPS, nous n'intervenons pas du tout, à aucun moment de la procédure, de la mise à disposition des produits par l'intermédiaire de l'ATU. Donc, j'entends de ça, de là, des débats sur l'ATU.
Voilà, moi je constate qu'il y a une procédure qui est à la main de la NSM, dans laquelle on fixe le montant d'une indemnité librement, et sur laquelle moi, enfin pardonnez-moi cet excès d'individualisation, mais le CEPS n'intervient qu'après, quand il s'agit de fixer le prix. Par contre, le législateur a prévu que, au moment de la fixation du prix, si le prix est plus bas que le montant de la TU, le laboratoire reverse la différence pour l'ensemble des produits qu'il a commercialisés durant la TU, entre donc le niveau de l'indemnité qu'il a fixé librement et le niveau fixé du prix du CEPS. Mais vous avez bien compris que si je vous dis ça, c'est parce que la TU, elle fixe un premier niveau de négociation, puisqu'en fait, à travers son indemnité, le laboratoire envoie un signal prix sur ce qu'il va valoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez bien compris, et là, c'est celui qui fixe le prix qui parle. Donc, je me libère de toute considération sur la santé publique, et je m'en excuse, mais pour la simplicité du débat, vous me permettrez d'aller directement au but. Sur la TU, moi, je constate que le laboratoire a déjà son produit sur le marché avant que j'en ai fixé le prix. Et donc, quand j'entame la négociation de prix, le laboratoire, il a déjà commercialisé son produit. Voilà. Et donc, vous comprenez bien que dans la négociation, dans la négociation, ça pèse le fait que le produit soit déjà disponible. Les laboratoires sont très attachés à la dispositif d'ATU qui leur permet d'arriver rapidement sur le marché. Les patients sont très attachés au dispositif d'ATU, fort logiquement d'ailleurs, parce que ça leur permet de bénéficier très rapidement des nouveaux traitements, et tout ça est tout à fait normal. Mais voilà, dans le dispositif, dans la gouvernance du système qui conduit à la fixation du prix, il y a une injonction contradictoire qui existe et dont nous devons gérer, puisqu'à la fin, c'est nous qui le gérons. Donc le premier acteur, c'est la NSM. Le deuxième acteur, et c'est pour moi l'acteur clé de l'ensemble du système, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est l'acteur clé pour deux raisons. Alors, je m'en tiens au médicament. Ce que je dis sur le médicament est quasiment intégralement transposable au dispositif médical, mais enfin, à quelques variantes près. Sur le médicament, l'HAS fait deux choses. L'HAS fixe le service médical rendu. C'est-à-dire qu'en fait, elle détermine le taux de remboursement du produit. Donc, sans débattre sur est-ce qu'il y a trop de, il y a ou non trop de taux de remboursement en France, c'est bien la HAS qui dit le produit est remboursable et il est remboursable à ce prix-là. Enfin, à ce taux-là, pardon, merci. Voilà. Les complémentaires sont très attentifs à ce sujet. Voilà. Et la HAS fait une deuxième chose, c'est qu'elle fixe l'amélioration du service médical rendu du produit. Donc il y a 5 niveaux d'amélioration du service médical rendu. Dans les faits, le CEPS en utilise 3. C'est-à-dire que les ASMR 1, 2 et 3 sont les ASMR qui reconnaissent l'innovation. Et donc nous, on considère qu'elles n'en font qu'une seule, puisque de toute façon, que ce soit 1, 2 ou 3, c'est innovant. Et donc on doit le classer dans la catégorie des produits innovants quand on l'examine. Les 4, c'est équivalent à ce qui existe déjà sur le marché. Les 5, c'est moins bien que ce qui existe déjà sur le marché. Et je continue tout de suite afin d'éviter un débat, enfin en tout cas pour poser les termes d'un débat qu'on peut avoir sur les ASMR 5. Les ASMR 5, du point de vue du CEPS, c'est utile, puisque comme c'est moins cher que ce qui existe sur le marché, ça doit nous permettre de tirer les prix des produits qui sont déjà sur le marché vers le bas. Mais tout ça pour vous dire que quand le CEPS va examiner un dossier, le principe de la décision de remboursement est déjà pris, puisque la HAS a dit que le produit devait être remboursé. Même si formellement, c'est l'UNCAM qui va fixer, enfin, c'est le ministère et l'UNCAM qui vont fixer les taux. Et deuxièmement, la HAS nous a dit comment le produit se positionnait par rapport au produit qui existait déjà sur le marché. Donc, on a une expertise très importante qui est faite au niveau de la HAS. Et donc c'est pour ça que c'était important que les usagers, par exemple, puissent participer aux travaux de la Commission de la transparence et de la CNEDIMS, donc celle qui fixe le prix des dispositifs médicaux, puisqu'en fait, c'est là que se fait l'évaluation des produits. C'est là qu'on décide s'il est remboursé ou non, c'est là qu'on décide de son amélioration médicale, de l'amélioration de son service médical rendu ou non. Voilà.
dans les débats que j'entends, enfin, par exemple, dans la tribune du professeur Vernon et du professeur Marlinqui, il est dit au CEPS, il n'y a pas de, les professionnels de santé ne sont pas représentés. Bon. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi faudrait-il qu'ils soient représentés? C'est-à-dire, est-ce que nous refaisons une expertise médicale pendant l'examen de notre dossier? Non. En fait, on utilise l'ASMR qui est donné par la Haute Autorité de la Transport, la Haute Autorité de Santé. Non, mais c'est, les professionnels de santé, on parle des professionnels de santé. Là. Je veux dire, l'expertise économique, elle n'est pas forcément chez les professionnels de santé. Et ensuite, j'ai des professionnels de santé au sein du CEPS qui ne sont pas forcément les représentants du système des professionnels de santé. Mais on peut discuter de la composition du CEPS après. Il n'y a pas de problème. Donc, un acteur clé pour moi, qui est la Haute Autorité de Santé, qui est donc une autorité indépendante, collégiale et scientifique. Enfin, le troisième acteur est donc celui qui est au cœur de l'audition de ce matin, qui est le CEPS, qui est un organisme interministériel, donc contrairement à ce que dit le cadre enchaîné de ce matin, qui n'est pas rattaché qu'au ministère de la Santé, mais qui est bien rattaché au ministère de la Santé, au ministère de la Sécurité sociale. Donc je rappelle qu'au sens de la loi organique sur les lois de financement de la Sécurité sociale, le ministre de la Sécurité sociale, c'est Michel Sapin, puisque c'est lui qui présente les lois de financement de la Sécurité sociale, et au ministère de l'Industrie, donc aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc il y a bien cette triple, voire quadruple tutelle, puisqu'en fait il y a M. Sapin et M. Eckert, hein, donc, le ministre de l'économie et des comptes publics et le secrétaire d'État au budget, qui gère, qui assure la tutelle du CEPS. Donc le CEPS, c'est une structure qui existe depuis 25 ans et qui est composée de la manière suivante. Il y a d'abord un président et deux vice-présidents. Alors, deux vice-présidents, puisqu'en fait il y a un vice-président de la section médicaments, et un vice-président de la section dispositifs médicaux. Et donc, en fait, ces vice-présidents ne siègent que dans leur section. Et donc, ensuite, il y a huit autres personnes avec voix délibérative qui siègent au CEPS. Il y a d'abord quatre représentants de l'État. Un représentant de la direction de la Sécurité sociale, un représentant de la direction générale de la Santé, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et un représentant de la direction générale des entreprises. Donc vous voyez, sur les quatre représentants de l'État, il y a deux représentants côté santé, deux représentants côté Bercy industrie, et une direction de la sécurité sociale qui, depuis maintenant presque 10 ans, a la double tutelle, ministère de la Santé, ministère des Affaires sociales, et ministère des Comptes publics pour la partie loi de financement de la sécurité sociale. On a trois représentants des caisses d'assurance maladie, donc deux représentants du régime général, un représentant de la MSA ou du RSI. En fait, la MSA siège dans la section DM, le RSI siège dans la section médicaments. Mais en fait, moi, j'ai tendance à dire qu'on va avoir trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. C'est plus simple, même si le décret est rédigé de manière légèrement différente. Et nous avons, depuis plus de 10 ans maintenant, un représentant de l'UNOCAM, donc des complémentaires santé. Donc 10 personnes, en cas d'égalité dans un vote, c'est la voix du président qui est prépondérante. Ensuite, nous avons des structures qui siègent au comité avec une voix consultative. Il y a d'abord la direction générale de l'offre de soins, essentiellement pour l'aspect hospitalier du sujet, et le ministère de la Recherche, puisqu'en fait le CEPS est en chargé aussi de donner un avis sur la politique économique du médicament, eh ben, il y a une dimension recherche-innovation justifie la présence avec voix consultative d'un représentant du ministère chargé de la recherche. D'ailleurs, la personne qui siège aujourd'hui au comité fait le lien avec la quasi-totalité des activités que le ministère de la Recherche entretient dans le champ de la santé. Elle est par exemple à l'INCa, elle a travaillé sur le plan cancer, ben, voilà, elle a une vraie vision médicament du sujet. Elle n'est pas là avec une représentation purement académique. Voilà. Elle a un effet et une vision complète du sujet. Pour compléter cette présentation, mais là on est vraiment dans des choses qui sont beaucoup plus formelles, en fonction de l'ordre du jour, il est possible d'associer aux réunions du comité un représentant de la direction générale de la cohésion sociale, par exemple si on parle d'aide technique, enfin, de fauteuils roulants, de sièges coquilles, de lits médicaux, voilà. Un représentant du ministère chargé du budget, ça, de toute façon, on peut toujours les associer. Un représentant du ministère chargé de l'agriculture,
pour deux raisons. D'abord, il y a la MSA qui siège, voilà, mais surtout parce qu'il y a des sujets qui sont connexes, notamment dans les antibiotiques, sur antibiotiques humains, antibiotiques vétérinaires, donc on a une possibilité de les entendre. Et puis, des représentants du ministère des Anciens Combattants, si je suppose c'est une survivance d'un texte ancien, mais même si je n'ai pas connu cette configuration-là encore, il est possible de les associer aux travaux du comité. Alors, la question maintenant, c'est de savoir quelles sont les missions du comité. Donc les missions du comité, elles sont fixées par le Code de la Sécurité sociale. Il y a un article du Code de la Sécurité sociale qui les fixe. C'est contribuer à l'élaboration de la politique du médicament. Donc vous me direz, c'est vaste, mais bon, on voit bien qu'il y a quelques tendances qui se dégagent assez rapidement. On y reviendra au fur et à mesure, je suppose, de cette audition. On doit surtout mettre en œuvre les orientations ministérielles pour fixer le prix des médicaments, suivre les dépenses, assurer la régulation financière du marché. Donc il y a une lettre d'orientation des ministres qui, là, aujourd'hui, date d'avril 2013. Je devrais recevoir, je pense, dans les jours, dans les semaines qui viennent, une lettre d'orientation, puisqu'en fait, elle suit un accord cadre dont je vais vous parler bientôt. Mais donc, il y a bien eu, en plus de la loi et du règlement, il y a une lettre d'orientation qui cadre l'action du CEPS. Quel est le mode d'action courant et commun du CEPS? C'est la convention avec les entreprises. Nous sommes dans un monde qui est un monde conventionnel. Pour tous les produits qui existent sur le marché, il y a une convention. Donc, en ville, par exemple, sous votre contrôle, il doit y avoir environ 15 000 présentations. Donc, pour tous les produits qui sont sur le marché, il y a une convention entre le CEPS et l'entreprise. Voilà. Et pour chaque prix de chaque présentation, il y a une convention entre le CEPS et l'entreprise. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en ce moment, on est dans une période où on revoit environ 5000 conventions par an. Ce principe de fonctionnement, il est encadré donc par la loi, par le règlement, par la lettre d'orientation des ministres et par un dispositif qui, je suppose, va être au cœur de notre discussion de ce matin, qui est l'accord cadre. Alors, l'accord cadre, qu'est-ce que c'est? L'accord cadre, c'est une convention globale entre le CEPS et sa tutelle et les industries du médicament. Donc l'accord cadre, en fait, il décline au niveau conventionnel ce qui est prévu par la loi, les lettres d'orientation, enfin les directives européennes d'ailleurs, puisque là, il y a une directive sur la transparence qui encadre par exemple les délais d'examen des dossiers, donc par la réglementation en vigueur, la lettre d'orientation des ministres, et donc la pratique, puisqu'au bout de 25 ans, on a un certain nombre de pratiques qui encadrent la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les produits innovants, qu'est-ce qu'on fait pour les génériques, qu'est-ce qu'on fait pour les biosimilaires, comment on négocie les baisses de prix, voilà. Tout ça, c'est rassemblé dans un accord cadre, et le dernier accord cadre, il a été signé au début du mois de janvier, entre donc votre serviteur et le président des entreprises du LEM, donc, qui est le syndicat des entreprises du médicament, et qui est le signataire unique côté industriel de cet accord cadre. Il existe un accord cadre pour les dispositifs médicaux, puisqu'en fait les dispositifs qui gèrent le secteur sont légèrement différents, et on est dans une configuration qui est très différente en termes de représentativité, puisque sur le côté accord cadre dispositifs médicaux, on est à une trentaine de signataires, puisqu'il n'existe pas tout d'abord, il n'existe pas une organisation représentative unique du secteur, et ensuite, un certain nombre d'organisations représentant les professionnels sont signataires de cet accord cadre, fort logique. Voilà. Donc, principe législatif, orientation ministérielle, accord cadre, convention entre le CEPS et les entreprises. On a donc certes une critique sur l'opacité du fonctionnement du CEPS, mais je peux dire à bon droit que cette activité, bien que son opacité soit mise en avant, est encadrée donc d'abord par l'article 162.16.4 du Code de la Sécurité sociale, qui est celui qui détermine les règles de fixation du prix des médicaments remboursables par la Sécurité sociale. Et donc cet article, il dit quoi? Cet article, il dit bien ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le prix, il est fixé par convention entre l'entreprise et le CEPS. Et il dit que le prix doit tenir compte de l'amélioration du service médical rendu apporté par le médicament, et donc fixé par la HAS.
Il doit tenir compte du prix des médicaments à même visée thérapeutique, donc en fait ce qu'on appelle les comparateurs. Et il doit tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Donc là, on a un cadre qui est fixé par la loi et qui est le cadre dans lequel nous évoluons dans toutes nos discussions avec l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des dispositifs médicaux d'ailleurs, parce que ce principe est dupliqué dans le champ du dispositif médical. Voilà. Donc, la question en fait qu'on peut se poser, c'est pourquoi fixer le prix de manière conventionnelle. Moi, il y a un exemple que je prends toujours, c'est celui de Jérôme Cahuzac, qui a donc été conseiller médicaments de Claude Évin, ministre de la Santé à la fin des années 80. À la fin des années 80, Jérôme Cahuzac a été, on pourrait prendre d'autres noms, mais celui-là est connu de tout le monde. Jérôme Cahuzac a été conseiller médicaments à une époque où il n'y avait pas d'agence du médicament, pas d'autorité de la santé, pas de CEPS. Ça veut donc dire que c'était les administrations centrales du ministère qui assuraient ces différentes fonctions et qu'à la fin, tout remontait au cabinet de la ministre. Enfin, quand il n'y avait pas d'accord, tout remontait au cabinet de la ministre. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, toute une partie du travail qui a été effectué dans les années qui ont suivi... Je prends la fin des années 80 parce qu'en fait, les premières agences arrivent tout de suite derrière, hein, je veux dire. Enfin, voilà, donc, puisqu'en fait, l'agence du médicament est créée au début des années 90, le CEPS est créé au début des années 90... la commission de la transparence va à l'agence du médicament dès le début, qui existait précédemment, va à l'agence du médicament dès le début des années 90. Donc on a là un moment où le système a basculé et où le système s'est organisé justement pour créer des lieux d'évaluation, des lieux d'expertise et des lieux de négociation. Donc le CEPS tel qu'il existe aujourd'hui en fait est né en 1993 et il est né de l'idée que les méthodes de tarification qui étaient pratiquées auparavant faisaient courir des risques importants en termes de sécurité juridique et politique. Et donc, il fallait une instance qui détermine le prix du médicament. Voilà. Donc, le choix qui a été fait, c'est celui de la négociation. En cas d'échec de la négociation, et je reste uniquement dans le champ du CEPS, le CEPS peut fixer le prix de manière unilatérale. Je note que la dernière fixation de prix unilatérale qui a été faite par le CEPS a été suspendue par le Conseil d'État. Et c'était au mois de février. Non, mais c'est pour décrire le monde dans lequel nous opérons. Voilà. Donc, comment se déroule... vous me dites si je suis trop bien. Comment se déroule une négociation? Donc, négociation encadrée par les délégués réglementaires, normalement 180 jours. L'entreprise dépose un dossier qui est complété en fait par l'avis de CT qui est disponible en ligne, enfin pardon, l'avis de la commission de la transparence de l'HAS qui est disponible sur le site internet de la haute autorité. Nous avons maintenant des avis médico-économiques qui sont là encore émis par la HAS, mais qui à ce stade ne sont pas publics. Sur la base de ce dossier, le CEPS délibère. Et dans 99,99% des cas, formule une contre-proposition au laboratoire en considérant que le prix proposé par le laboratoire est trop élevé. Et donc, eu égard au contenu du dossier, et notamment eu égard à l'existence de comparateurs, le prix proposé par le laboratoire doit être révisé à la baisse. J'insiste sur le fait que... Enfin, je parle de prix et... Par facilité, nous parlerons de prix. Nous n'examinons pas que la question du prix. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir comparer valablement un médicament à un autre, il faut certes parler du prix, mais il faut aussi parler soit du coût de traitement journalier, soit du coût de traitement annuel, de manière à s'assurer que des différences de posologie, enfin qu'un prix identique facialement, ne conduise pas à un coût de traitement journalier différent, parce que les posologies sont différentes. Hein, c'est, voilà. Donc on examine bien les différents aspects les différents aspects du prix, c'est-à-dire à la fois le prix facial, enfin le prix public, et puis ce qu'on va appeler par simplifier le coût de la cure, c'est-à-dire combien ça coûte si le patient prend le traitement. Donc est-ce que le patient se limite à 12 semaines, est-ce que c'est un traitement chronique, auquel cas on calculera un coût de traitement annuel. Bon voilà, tout ça, on fait ce calcul-là, et j'insiste très fortement sur le fait que nous ne le faisons sur la base de documents qui sont publics. C'est-à-dire que nous prenons soit l'avis de la commission de la transparence,
qui va nous dire quels sont les comparateurs, qui va nous dire quelles sont la population, soit pour ce qui est des questions de posologie, en prenant l'AMM. C'est-à-dire que si le laboratoire vient nous voir en nous disant non, mais l'HAS s'est trompé, ma population elle est plus importante que celle qu'elle a inscrite dans la commission de la transparence, on leur dira écoutez, on est désolé, retournez devant la commission de la transparence, demandez-leur de prendre la population que vous considérez comme pertinente, mais nous, en tout cas, notre plafond, ça sera la population fixée par la commission de la transparence. Si vous voulez discuter d'une population plus réduite, on est tout à fait ouvert à la discussion, mais par contre, on n'ouvre pas une discussion sur une population plus large que celle fixée par la commission de la transparence. De la même manière, les laboratoires qui modulent les avis de la commission de la transparence en nous expliquant qu'il y a des ASMR 4+, 5+, etc. Nous, on connaît que les ASMR 4, on connaît que les ASMR 5. Voilà. De la même manière, sur la posologie, on prend la posologie de l'AMM. Si le laboratoire nous dit « Non, mais en vie réelle, la posologie n'est pas la même », on leur dit « Écoutez, soit vous avez des données qui montrent que la posologie n'est pas la même, et auquel cas, dites-nous pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'HAS, parce que enfin, vous ne l'avez pas dit d'abord à l'agence européenne ou à l'agence française qui vous a donné l'autorisation de mise sur le marché. » Voilà. Donc, sur une entrée sur le marché, on utilisera la posologie de l'AMM. Si on est dans une révision de prix et qu'on a 3 ans, 5 ans de vie réelle, et que les données ont été révisées par la HAS, on pourrait accepter de discuter sur une autre posologie que celle du RCP. Mais on le fera que sur des documents qui ont été expertisés par d'autres que nous, et notamment par la HAS, ou si on est sur les documents, enfin sur le RCP, par l'Agence du médicament. Voilà. Je me propose... Je ne sais pas si je suis... Encore 5 minutes. Alors, voilà. Donc, dans les 5 dernières minutes. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'il existe 3 cadres de négociation. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, et ces 3 cadres, ils sont fixés par la HAS et par l'accord cadre, et par la lettre d'orientation des ministres. Donc, ils sont fixés par la HAS, puisqu'en fait, ils dépendent du niveau d'amélioration de service médical rendu. Donc, je vous l'ai dit, de 1 à 3, on a un produit innovant. À 4, c'est équivalent à ce qui existe sur le marché. 5, il n'y a pas d'amélioration. Donc, quand je mets ça en correspondance avec l'accord cadre, donc la convention conclue entre le CEPS avec évidemment la bénédiction de sa tutelle, enfin l'autorisation de sa tutelle et l'industrie du médicament, une ASMR de 1 à 3, c'est une garantie de prix européen. C'est-à-dire qu'on va regarder les prix pratiqués en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne pour fixer le prix en France. Je parle du prix public. Je ne parle pas des remises qui pourraient être négociées derrière ce prix public. Voilà. Ça, c'est l'accord cadre. Cette principe de garantie de prix européen, elle existe, à ma connaissance, depuis 2003. Et je crois, c'est à vérifier, mais que c'est une lettre d'orientation de Jean-François Mattei en 2002 qui a fixé le principe de cette garantie de prix européen pour assurer l'attractivité de la France au regard des produits les plus innovants. Donc, ASMR 1 à 3, innovation, garantie de prix européen. ASMR 4, pas d'amélioration. Lettre d'orientation ministérielle, pas de surcoût par rapport aux produits qui existent déjà sur le marché. Sachant que dans ce cas de figure-là, on a une difficulté, mais ça nous renvoie au rapport de Mme Polton sur l'évaluation des médicaments, c'est qu'il y a une catégorie qu'on n'aime pas, c'est les ASMR 4 sans comparateur. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi ils font comparer le produit, et donc comme en fait on se sert des produits qui existent déjà sur le marché pour fixer le prix, quand on nous dit son comparateur, on est un peu perdu, il faut qu'on trouve quelque chose avec lequel on peut le comparer, et ça lance des débats un peu compliqués avec les laboratoires, enfin voilà, on gère. Et ASMR 5, donc pas d'amélioration des services médicaux rendus, donc il faut que ça soit moins cher que ce qui existe sur le marché. Et moins cher que ce qui existe sur le marché, parce qu'on se sert de ces nouveaux produits pour tirer le prix des autres produits déjà sur le marché vers le bas. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que là, ça sera peut-être plus simple après de...